quand l'école de gendarmerie d'Abidjan organise un cérémonial militaire qui, de surcroît, est un baptême de promotion et une prestation de serment, l'on a droit à du spectacle. Qui témoigne bien de la dextérité des hommes de Dr. Alexandre Apalo-Touré. Pour le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ses élèves doivent allier performance, efficacité, courage et honneur. Leur contribution pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, à l'école de gendarmerie, il y a donc eu du spectacle, de la bonne ambiance, mais aussi, et c'est l'innovation majeure, la reconnaissance du mérite des officiers et des sous-officiers. 322 au total, ils ont été faits, ou chevaliers dans l'ordre national, ou chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien, ou médaillés des forces armées et de sauvetage. Le colonel-major Aboya Kwame et le général de brigade Vako Bamba, commandant supérieur en second de la gendarmerie, ont tous les deux été faits officiers de l'ordre national. Le général de division Kwasi Kwaku Gervais est lui commandeur de l'ordre national.